Salut chers internautes, bienvenue dans la rubrique La lecture de Mel. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous voulons vous entretenir est Action humanitaire et coopération internationale en période de pandémie. Le monde est aujourd'hui confronté à un défi sans précédent. Les communautés et les économies étant touchées par la pandémie croissante de COVID-19. Ainsi, le monde se mobilise pour lutter contre cette pandémie en rassemblant les gouvernements, des organisations de tous les secteurs et industries, ainsi que des particuliers pour contribuer aux efforts de riposte face à cette flambée mondiale. L'élan de solidarité et de soutien au niveau mondial suscité par un défi commun a été phénoménal. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, dirige et coordonne les efforts mondiaux en appuyant les pays en matière de prévention, de détection et de riposte face à la dite pandémie. Chacun peut désormais apporter un soutien direct à la riposte coordonnée par l'OMS. Les personnes et les organisations qui souhaitent contribuer aux efforts de lutte contre la pandémie et soutenir l'OMS et ses partenaires peuvent désormais faire un don. Cependant, un nouvel accord signé entre l'OMS et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en abrégé HCR, permettra de renforcer et d'améliorer les services de santé publique pour les millions de personnes déplacées de force dans le monde. Il complète l'accord signé en 2019 avec l'Organisation internationale pour les migrations et est la plus récente des initiatives visant à prévenir les situations d'urgence de santé publique et à répondre aux besoins sanitaires des populations, des réfugiés et des migrants. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, ont signé un nouvel accord en vue de renforcer et d'améliorer les services de santé publique pour les millions de personnes déplacées par force dans le monde. Pour ce qui est du Cameroun, notons que la période couvrant les mois de juillet à décembre 2020 a été marquée par l'effectivité de la décentralisation de la riposte à la COVID-19 dans les districts de santé du Cameroun, le renforcement de la surveillance active des cas et le renforcement de la continuité des services et du système de santé. À cet effet, l'OMS a poursuivi son soutien au ministère de la Santé publique, aux partenaires et aux parties prenantes à travers des conseils et des orientations, la participation aux différentes réunions de coordination, le maintien de tout son personnel dans les 10 régions du pays, l'appui matériel, technique et financier, ainsi que le partage des principales informations en temps opportun avec toutes les parties prenantes. Ainsi, chers internautes, voilà donné en quelques mots, en quelques phrases, l'action humanitaire de l'OMS au Cameroun face à la pandémie de COVID-19. Alors, les commentaires, c'est sur notre page, des questions si vous en avez, et nous vous répondrons très promptement. Donnons-nous rendez-vous pour la prochaine rubrique.